Alors moi je suis Monsieur Marion, responsable frais. Donc ce produit local du regroupement des producteurs de bananes de Guadeloupe, c'était partie de nos meilleures ventes. La banane de Guadeloupe représente une part importante de nos ventes, puisque chaque année c'est à peu près 200 tonnes de bananes que nous vendons aux consommateurs et aux clients d'Estrelan. Alors ça varie en fonction des intempéries, mais ça reste une place importante et ça rentre aussi dans le cadre de la valorisation de la production locale que nous avons souhaité mettre en place depuis 2 ans à travers la marque Produits d'ici pour montrer que les produits locaux sont de qualité, sont beaux et pour inciter nos consommateurs à en consommer de plus en plus. Je trouve que c'est une très belle présentation de notre fruit qui permet de valoriser notre production. Ça récompense un petit peu le travail que nous avons fait, notamment depuis le cyclone Maria. Donc nous sommes revenus en volume et c'est une très belle idée d'avoir mis en place ce type de rayon pour valoriser cette banane. Nous sommes mûrisseurs et le groupement des producteurs de Guadeloupe nous fournit la banane verte. Et par l'intermédiaire de la mûrisserie Agro-SRL, nous les faisons mûrir et les livrons en magasin à la coloration souhaitée. C'est une très grande fierté de pouvoir livrer la banane et que le client il a son produit de qualité dans les rayons. Mettre en avant la production locale est réellement indispensable pour la Guadeloupe. Les producteurs, en mettant en avant leurs produits en magasin, permettent aux consommateurs de les connaître et également de découvrir leurs produits. L'objectif de cette action, en fait, c'est de mettre en lumière la production de nos adhérents, de promouvoir la production locale et de faire découvrir à la population la filière banane. Une filière qui est engagée dans la protection de la biodiversité, mais aussi met en avant sa production, qui est un acteur majeur de notre économie. Les partenaires de cette action sont les magasins qui sont livrés par les mûrisseurs agréés par les producteurs de Guadeloupe. Moi, je les aime, les bananes, quand elles sont légèrement tachetées. Je me fie un petit peu à mon ressenti, à mon intuition sur les bananes de Guadeloupe parce que ce sont les meilleures bananes quasiment au monde.